Marco, que posera donc le président belge Sénat Ross, au représentant de la Grande-Bretagne, Cameron Donaldson. Est-ce qu'on sait un petit peu de ces délégations? Alors, donc, du côté du Belge, il a 16 ans, il est 201e au rang mondial. Il a participé aux Jeux Olympiques de la jeunesse, notamment, lors desquels il a remporté la médaille de bronze dans la catégorie des cadets à Buenos Aires, donc en Argentine. Et du côté donc de l'anglais, on n'a pas de palmarès particulier, c'est juste qu'il a 18 ans et c'est peut-être donc sa première arène. Voilà donc, pas de grand palmarès pour ces deux archers, mais en tout cas, une belle médaille de bronze à disputer dans quelques instants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans cette catégorie, Wecker Junior mène, il est belge, il se prénomme Sena Ross, il sera opposé à un représentant de la Grande-Bretagne, Cameron Donaldson. C'est le dernier match pour l'obtention de la médaille de bronze pour cette matinée, en tout cas, avec l'arc classique, messieurs, et ces deux garçons, vous voyez à l'image, avec le Belge Sena Ross, ici à l'image, qui va affronter sous vos yeux le Britannique Cameron Donaldson. Alors, Sena Ross a disputé les Jeux Olympiques de la jeunesse et il a obtenu dans la catégorie cadet la médaille de bronze. C'était en Argentine. Belle performance hein, déjà. Belle performance déjà et sur ce tournoi, il a fini premier des qualifications avec le score plus qu'honorable de 590. Cameron Donaldson, quant à lui, réalise le score de 561. Finit 26e et un peu comme Luna sur le match précédent, un très très beau parcours sur ce tournoi de Nîmes. C'est le Britannique qui va débuter dans quelques secondes. Non, pardon, c'est Sena Ross. Âgé de 16 ans. Et qui commence par un très beau 10, hein, X, hein, quasiment. Voilà, petite erreur pour commencer de la part du Britannique. Toujours dur, hein, cette première flèche, évidemment. Après, le système en 7... permet en quelque sorte un peu de compenser ça parce que un archer qui a fait une paille peut tout à fait me gagner un match en 7 alors bien que sûr. Un match en point c'est tout de suite beaucoup plus compliqué avec une paille. Allez, malgré ce au 10, hein. C'est bien le Belge qui remporte les deux moins de 7. Les deux premiers précieux moins de 7 pour cette petite finale. Il va falloir que Cameron Donaldson oublie cette première volée. Première volée qui finit quand même par un 10. Oui, oui. Tente aussi de trouver ses marques dans l'arène. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est juste sa première flèche ouais. Qui ne l'avantage pas, c'est sûr. Mais... Donc, cette petite erreur qui coûte quand même le moins de 7, parce qu'effectivement, après, il était totalement en position de rivaliser. C'est bien Cameron Donaldson qui va décocher la première flèche. On se tire à 18 mètres. Eight. Ten.
10. Allez, on peut faire 8, 9, 10 sur cette volée, Cameron. Qui est reproduit un peu le même schéma que la volée précédente. Hein. Allez, peut-être le score parfait pour le Belge. Voilà, c'est fait. Senaros qui signe sur cette volée un score parfait et qui prend 2 points de 7 supplémentaires, ce qui permet vraiment de mener 4-0. Cameron Donaldson n'aura absolument plus le droit à l'erreur dans ce prochain set. Avec un Senaros qui semble plus que bien installé dans son match, dans son arène, et qui semble très confiant. Après le palmarès dont vous parliez du match prouve bien aussi qu'il a l'habitude peut-être pas l'expérience, mais qu'il a l'expérience des arènes et des enjeux, voilà, exactement. C'est vrai que dans le tir à l'arc ça peut faire la différence, hein, cette pression là évidemment. On s'amuse bien du côté britannique. Surtout avec que la flèche. Les gradins se remplissent au fur et à mesure que, ouais, que la matinée avance, hein. Donc de plus en plus de monde, un bruit de fond de plus en plus important. C'est des choses qui jouent. Allez, c'est parti. Nine. Allez, 8 pour dernière gagner. Voilà, c'est un 9. C'est une nouvelle médaille de bronze pour le Belge Senaros qui remporte son match 6-0. Ouais, très très bien assuré. Bravo, jeune homme, Senaros, déjà médaillé aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, et maintenant médaillé sur cette étape de Coupe du Monde, une nouvelle fois, pour la médaille de bronze. Pour le Belge, Senaros. Merci, messieurs.